Voilà. Salut. Salut. Ça va, ça fait pas trop longtemps que t'attends? Non, ça va, je viens d'arriver. Ça va, alors. T'es magnifique, en tout cas. Ah, merci, tu sais, c'est pas grand-chose, hein. Oh si si, t'inquiète pas, bah, j'ai le temps. C'est à 30 minutes d'ici, je suis dans 10 minutes. Ouais, t'as raison. Et sinon, tu veux des enfants? Vous avez choisi, mesdames, messieurs? Oui. Alors pour moi, ce sera une tarte au maroilles, s'il vous plaît. Très bien. Et pour vous, monsieur? Un steak tartare. Quelle cuisson? À toi. Parfait. Et sinon, tu penses quoi du champagne? Il y a une belle robe d'oreille. Les bulles sont fines. Il semble fruité. Il a toutes les caractéristiques d'un canard du chêne. Tu sais, je passe vraiment une bonne soirée. Moi aussi, tu sais. Ok, alors... Première remarque. Les 10 minutes de retard, ça c'était très bien, tu m'as fait. C'est ce qu'il faut. Par contre, le premier pas pour le baiser, tu laisses tomber, tu oublies. Tu vas juste passer pour une allumeuse. Ne jamais parler des enfants au premier rendez-vous, ni même les 5 premières années, c'est un conseil que je te donne, ça. Tu me fais la même erreur à chaque fois, faut pas les brusquer. Sinon, l'écouter étaler sa science, ça, c'est bien. Pour le champagne, c'était très bien. Ça va flatter son ego, il va se sentir bien, c'est tout bon pour toi. Oui, autre chose. La tarte maroilles, t'oublies. T'oublies complètement, parce que le premier rendez-vous... On en voit du rêve, c'est que du glamour. Ah ouais, d'accord, ouais. Mais du coup, je prends quoi alors? Une tarte à l'oignon? Si elles sont toutes comme ça, on n'est pas prêts d'être au chômage, les gars. Tonight, it's all about sex.